Bonjour à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gaming qui vient ensemble aujourd'hui les gens Pokémon épée et la fin de ce let's play sans être une fin parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Bah oui, et on va déjà aller prendre la route de la suite des arènes, donc pour aller vers le Pokémaster, et je pense qu'il y aura encore plein de trucs, donc on va pas y être aujourd'hui, mais on va commencer par une routine qui va être différente cette fois-ci puisque j'ai fait plein d'échanges miracles et j'ai enfin mes Pokémon étrangers pour faire la technique Masuda. Voilà. J'avais commencé à faire Quiz Tempo, sauf que comme c'était deux Pokémon français, eh bien ça ne fonctionne pas aussi bien. Voilà. Un Pokémon étranger, donc chinois, japonais, anglais, allemand, espagnol, italien, enfin ce que vous voulez, mais qui ne soit pas français. Voilà, et après vous faites des œufs. Voilà. Donc là, je fais des œufs de Whistempo cette fois-ci, sauf que, En tout cas, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires à cette vidéo. Il faut savoir qu'on était sorti de l'arène, et au moment où on est sorti de l'arène, il y a une petite cinématique avec la professeure et Sonia, donc sa nièce, ou sa petite fille, qui lui disait de devenir professeur également, enfin voilà. Ouais, le problème c'est qu'en fait on pouvait pas sortir de la... si on sortait pas de l'arène, on pouvait pas se TP, et du coup moi ça m'a dit qu'il y avait vachement pour jouer à côté, et j'ai pas mal joué, je fais pas mal d'échanges, vous allez voir plein de nouveaux Pokémon. Et donc là, c'est des œufs de moumouton que j'ai fait avec un moulou anglais. Avec et mon métamorphe, donc on est autant de chance que d'avoir un moumouton dehors, d'avoir un shiny. Bon, il est pas shiny. Non, il est pas shiny du tout. Mais on en a 5 d'un coup et on va en ouvrir 15 aujourd'hui. Comme ça, j'en ai fait 15 pour faire très vite. Donc voilà, ça va aller très très vite puisqu'on va ouvrir 5 à la suite, on va reprendre 5, on ouvrira 5 à la suite, on va reprendre 5 et 5 à la suite, ce sera bon. Du coup, Guillaume s'est amusé à faire ça hors vidéo. Pas de pendant que moi je faisais autre chose. Pendant que moi je faisais, j'avançais ma partie d'ailleurs. Moi j'y suis arrivée à la reine 4 qui n'est pas la reine combat comme sur épée, mais la reine spectre. Ténèbres, spectre je crois. Le spectre. Mmh. Oui, spectre d'Alistair, donc c'est un nouveau Et c'est un ectoplasma gigamasque. Ouais, il est super beau. Mais mon mouton, parce que là attends, du coup, ce qui se passe. Non, 3 c'est le troisième. Et ce qui se passe, c'est que. Pour le coup. On en a fait 500 en sauvage, donc on est à 1 sur 680, et en fait on arrive à cette méthode de 1 sur 680 directement avec les œufs. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de farmer les 500. Mais que s'il est étranger. Donc, par exemple, il faut un mouton français, un mouton anglais, ou alors un mouton français, un métamorphe japonais. Il faut deux Pokémon qui sont pas de la même région dans le monde. C'est ça. D'ailleurs, on a eu des Pokémon japonais, des Pokémon chinois, des Pokémon espagnols, on va vous montrer de toute façon ce que Guillaume a fait hors vidéo. Beaucoup d'échanges miracles. C'est ça. Quelques raids Dynamax. Donc là, c'est bon, t'as fini tes. Allez, c'est pas ça. Ouais. Je vais aller dans l'équipe et je vais aller dans la boîte directement. Et on va. J'ai fait. J'ai tout étudié. Hein. Donc hop, petite sélection. On pose là. On reprend là. Et on reprend des moutons. Donc là, c'est tout ça, c'est des moutons. Sauf l'œuf qui est tout à gauche. C'est celui qui est en haut, c'en est pas un. Et donc, regardez, vous voyez pas mal de nouveaux Pokémon. Déjà, il y a plein d'œufs. Ça, c'est des Larmeléons. Shiny, hein, potentiellement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un Larmeléon qui est. On va essayer de le retrouver. Ah, je l'ai pas laissé dessus. Bah là, il y en avait plein des Larmeléons. Non, ouais, mais ça, c'est des Larmeléons niveau 1 que je dois échanger. Ah, oui, d'accord. En fait, ça, c'est pour les échanges miracles. Mais je crois que j'ai un Larmeléon qui est quelque part et qui est. Bah, il est pas dans. Tu l'as pas donné à la garderie? Non, c'est Whistempo là en ce moment. Ah oui, d'accord. Je sais pas où il est. Et donc en gros, j'ai eu les moutons là que je viens d'avoir. J'ai eu Darumaru en japonais. J'ai eu un chinois, j'ai eu Fantrim qui est énormissime en évolution. Il paraît qu'il est super dur à avoir. Donc là, tant mieux, on l'a eu en chinois. On l'a eu plein de fois. Beaucoup de gens font des œufs de ça. Donc on a eu un chouleur chinois. On a eu un Scorbunny, donc Flambino espagnol. On a eu un Solochi coréen. Donc on a eu du coréen aussi, c'est vrai. On a eu du Marakashi, c'est moi qui les pop. Flambino japonais. Un Crémy anglais. Donc on peut faire des Crémy shiny. Faut voir s'il vaut le coup. Farfuret. On a eu qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant, on a eu d'autres drippy, donc Fantrim, on a eu on l'avait eu en vidéo après il y a un Evoli japonais, je sais pas si on l'a eu en vidéo je crois, mais sinon alors lui Béka Glaçon, mais alors lui les gens, mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon quoi. Il est mignon. Il est pas mal. Il y a celui-là. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu un japonais qui m'a envoyé un Ponyta niveau 1. Donc c'est un poney qui sort d'un œuf. Voilà. Et comme moi je peux pas l'avoir sur ma version, ça m'aide vachement. Et j'ai eu aussi un Mucuscule. Très cool. Parce que je crois qu'il est exclusif à la version bouclier. Voilà, Fukano aussi. Donc en allemand, Caninos. J'ai eu ça. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça avance pas mal le Pokédex. Et du coup, on est rendu à combien en Pokédex en termes de Pokémon attrapé, on est à 126, donc voilà, ça a augmenté énormément, on est à plus d'un quart du Pokédex, sachant que j'ai beaucoup de Pokémon à faire évoluer, j'ai aussi
du coup les trois starters. J'ai filé à Kim Wistempo et l'Armélion, donc Kim a aussi les trois starters. Voilà. Comme ça, c'est qui super ont déjà utile. Évolué parce que c'est méga facile à le faire évoluer. Voilà. Pour l'instant, c'est Lapiro. Et d'ailleurs, moi j'ai fait évoluer mon Lapiro en. Ah, but quelque chose, pyro but. Et qui est vraiment pas mal. Bah, tir au but en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est tir au but parce qu'en fait, c'est un footballeur. Voilà, c'est ça. Il a une attaque ballon et il envoie vraiment un ballon de foot c'est en ça. Feu. Et il est pas mal, je trouve pas mal. Au final, le moins bien pour nous. Bah, c'est l'Armeléon. C'est les évolutions de l'Armeléon. Les évolutions de l'Armeléon sont vraiment moins ouf. Là, l'évolution de l'Armeléon, déjà la deuxième, elle est pas ouf visuellement. La dernière, elle est assez majestueuse, fine, mais je suis pas fan. Ouais. Et franchement, les deux qu'on préfère, pour le coup, c'est Wistempo et Flambino. Et c'est Flambino ça. Est pas mal en évolution 3ème stade. Flambino est pas mal au final. Parce que je pensais que c'était. Qu'il allait pas être terrible sur les visuels. Et au final, je l'ai en vrai et il est vraiment très bien. Ouais, donc là, on va encore 5 moutons. Dès que ça a commencé à faire 1. Ouais. Et donc on ira se diriger après vers les Pokémasters et donc ce sera la prochaine vidéo je pense, les Pokémasters qui correspondent à la ligue. Je sais pas trop comment ça va se passer mais bon. Allez un mouton shiny les gens, on en veut un. Ça serait cool, ça serait notre premier raid, ça marquerait un truc quoi. Genre c'est le premier qu'on a, ça serait cool mais. Mais je pense qu'on l'aura pas. Ça va être chaud. Ça va être chaud, pourtant on est sur la bonne méthode. Hein. Alors il manque le Charcroma, mais Charcroma ça baisse de 100, c'est pas même non plus. Même avec la méthode Masuda, il y a le Charcroma. Ouais. Ça baisse 200. Mais il nous manque un peu 300 Pokémon pour avoir le charme commun. Ouais, c'est ça. Et puis ça reste pas, c'est pas des, à des années-lumière la probabilité, elle est quasiment la même quoi. Enfin, quelques, c'est quand même centaines de probabilités en moins. Mais. Et pour certains, le charme commun c'est de la triche. Hein. Oui. En plus. Oui. Nous ne trichons pas. Non, moi je prendrai le charme commun, mais quand on aura fini. J'aimerais bien en avoir un avant qu'on finisse le jeu quand même pour me dire allez, ouais, bah un ouais, petit parce shiny, que quoi. Sur Let's Go on en avait eu pas mal. Et, ouais. Et là, Ouais, bah let's go, le fait de les visualiser c'était assez simple, il suffisait d'attendre et de voir que ça popait et voilà. C'est et puis en plus, ça avait plein de Pokémon dans plein de régions et t'en avais plein. On cherchait, je sais plus quoi, on a eu Neuneu. Shiny, ah oui, on cherchait un des derniers du Pokémon du Pokédex, c'était Rhinophéros ou un truc dans le genre. Et en fait, il nous le manquait pour aller 151 et on a eu un Neuneu Shiny qui a pop, c'était ça dans la vidéo. C'est ça, je crois. On cherchait pas du tout un Shiny et là, bam, et tu le vois, alors que là, on peut pas le voir, on est obligé de le farmer quoi. Ouais. Donc quand tu le veux et que tu le farmes, tu dis mon dieu, quand est-ce qu'il va sortir? Alors que quand tu tombes par radar dessus ou que tu le vois visuellement de dehors, tu dis ah bah je l'attendais pas, le Vénard, ouais je l'attendais pas celui-là. Et c'est d'autant plus mieux. Deux. Bah de, que ça pop direct, enfin que c'est tu l'as Par parce chance, que en fait. Tu farmes. Là c'est vraiment. C'est du farmage. En fait je pense que quand on va l'avoir, ça va être cool. Non je pense que je vais être très content. Très cool, mais voilà, j'en suis à des lignées de moutons. Là voilà. La moins que la recherche dans les arbres. Oui ça va vite, parce que là du coup j'en fais 15 en quoi. Je pense qu'au prorata, c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus après, il faut que j'ai le temps d'avoir les œufs. Là, j'ai mis le temps d'avoir les œufs. Donc, prochaine vidéo, on commencera par des Larméléons de Masuda. Parce que c'est un Larméléon japonais, je crois que j'ai mis. Et ce qui se passe. Ah, ouais, je cherchais Larméléon, mais non. Je cherchais Larméléon, mais je crois que j'ai un. Mais oui, il est là. J'ai évolué. Non, ça, c'est des œufs de Wistempo. Ah, oui, d'accord. Je l'ai fait évoluer. Je l'ai pris dans mon équipe et je l'ai fait évoluer. L'envoyer dans une boîte PC. Voilà, une boîte. Et le vendre. Et le vendre. Pour faire des omelettes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on commencera par des Larméléons, peut-être une dizaine, une quinzaine pareil. Alors ils sont déjà prêts les œufs, il suffit juste de les faire éclore. Je les ai pas du tout, en fait. Je mettais Mass Pokémon sur moi et du coup je les envoie direct dans des boîtes, ils sont tous rangés. Alors il y a quelques œufs de Wistempo et quelques œufs de Larméléon, ça va être du starter pour l'instant. Sachant que l'Armélion, même si c'est pas notre préféré, en Shiny il est quand même pas mal. En Shiny il est pas parce mal. Parce qu'il est violet. En fait, n'importe quel Pokémon en Shiny nouvelle génération, j'aimerais bien d'avoir. Ce serait bien, ouais. Pour dire, voilà, notre premier Shiny, et l'avoir en vidéo, ce serait un plus parce que voilà, c'est. C'est pour ça qu'on prépare là au moins, ça prend quoi, 10 minutes du début de la vidéo, et on peut faire. Et pendant ce temps-là, regardez, on a des œufs pour la prochaine vidéo d'un autre Pokémon. Là, c'est en l'occurrence Wistempo qu'on aimerait bien avoir en Shiny. Donc là, c'était dernier mouton là. Là, c'est les derniers moutons, ouais, je l'ai fait un peu, et j'ai fait, ouais, après, tant pis quoi. J'ai gardé mon mouton en anglais, hein, donc je vais pouvoir en faire. Woulou. Allez, pop nous. Je pense qu'on est maudit. Non, parce que c'est dur, hein, non, c'est des heures dur, de jeu, mais c'est vrai que on l'a fermé un peu, on en a fait du 600 moutons. Faudrait que je fasse sur ma version, voir si j'ai plus de chance. Ouais, ça va être ça la solution. Ouais. Ça se trouve, hein, ça se trouve, t'as pas de chance, voilà. Ouais, ça se trouve, si tu me dis, j'ai la mauvaise version, qui est Shiny Lock entièrement, je peux avoir aucun Shiny dans le jeu, en fait. C'est un paramètre qui fait que tu peux pas l'avoir. Bon, allez, bah, il en reste un petit peu, on sait jamais, il y a toujours la probabilité, une chance sur 600, mais non, c'est pas c'était aujourd'hui. C'était le dernier ? Non, il en reste encore. Allez, c'est le dernier.
Bon, je pense que je vais quand même aller faire des œufs de mouton parce que il faut qu'on l'ait quoi. C'est tellement formé celui-là que. Et puis c'est le, je dirais, le plus impactant. Marquant quoi, ouais. Ouais. Visuellement, ouais. Il est noir quoi. Enfin, il a la laine noire quoi. Donc, il est trop beau. Non. Eh ben, vous le verrez pas aujourd'hui, malheureusement. Pour nous aussi. Pour nous non plus. Ouais. Je suis trop triste. Ah, il en reste un. Il y en avait 5. C'était le quatrième. Je crois que c'était le dernier. Mais là, il en reste un. Le dernier. Le mouton de la chance. Donc, ouais, c'est quand même plus rapide. On a le temps de parler. Bah, c'est ça. Juste aller à droite, à gauche, récupérer des œufs. Et on en a 15 d'un coup. Ah, ben. Non. Bon. On a eu 15 moutons, bon, bah, les moutons vont partir dans le monde entier, hein. Ça va permettre de faire des échanges miracles. C'est vraiment bien les échanges miracles. C'est très très bien, ouais, parce que ça nous a permis d'avoir des Pokémon qu'on n'aurait jamais eu avec des échanges miracles. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, il y en a qui sont plus ou moins puissants, vous voyez, attaque, défense en rose qui sont plus élevés, en fait, il y en a qui ont 6 de base, en fait, ils sont pas tous pareils. Ils sont tous différents et c'est ça qui est cool. Et voilà. C'est quoi les 3 à gauche là? Ah, c'est des Whistempo. Whistempo, là c'est des... tu veux faire des Larmélon? Ouais, si tu veux on va faire... Allez, un Larmélon, on arrête. Parce que Larmélon, vous l'avez pas vu. Et sur notre version, vous l'avez pas vu sur grand écran encore. Oui, c'est puisque vrai. C'est la... Alors je sais pas si c'est que des Larmélon, mais je crois qu'il y a que des Larmélon. Mais il y a que des Larmélon. Sinon, c'est Whistempo. Il y a un mélange, hein. Oui, c'est possible qu'il y ait un Whistempo par-ci par-là. Mais en fait, ce que je les ai rangés, sauf que des fois ils se mettent dans des boîtes à côté. En fait, ils se mettent dans la boîte où tu as fait le dernier. Est-ce qu'il y a un intrus? Est-ce qu'il y a un intrus? Donc là, tu vois, ils vont se mettre. Eh ben, ils vont se mettre à l'endroit où je viens d'enlever les œufs parce que c'était la dernière boîte sur laquelle j'étais. Ouais, mais du coup. C'est pas pratique, en fait, tu peux pas dire. Je veux mettre sur cette boîte là, j'ai une boîte à œufs, boîte à œufs numéro 1, et hop, ça se met là-dessus. Et ben là, non, pas du tout. Ouais, bah. Oh ah, non, là, 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 ah, il est en shiny. Et ben non, il est pas en shiny. C'est le nounours en shiny, il est très cool. Hein. Ouais. Il est jaune, je sais ça. Hein. Il est un peu enfin, doré. Enfin, c'est doré, mais. Bon, je pense que le nounours doit être fait un peu pareil. En tout cas, hier, j'ai vu des super raids, donc on joue en ligne. Alors, ça fait ramer grave la console en terre sauvage, c'est un truc de dingue. Ne jouez pas en ligne en terre sauvage, je dirais. Jouer plutôt en dehors et tu vois des fois les œufs ça va très très vite, hein. Y a même pas le temps de faire un tour. Et... Guillaume il a vu un raid avec Nymphalie. Nymphalie, j'ai voulu le rejoindre mais direct, ce raid est complet. Je fais quoi? En même temps Nymphalie quoi. Ouais. Et Dracaufeu je crois. Je crois que j'ai vu Dracaufeu Gigamax. J'ai voulu le rejoindre et la console partenaire n'a pas pu répondre. Je fais oh c'est... Ouais. J'aimerais bien avoir Dracaufeu quand même, comme ça après je pourrais faire des autres. On nous a dit Dracaufeu tu l'as, t'as un Salamèche en parlant à quelqu'un après avoir fait les Pokémaster. Ah ouais d'accord, bah, c'est logique parce que les Pokémaster c'est là où tu vas voir Dracaufeu en face. Voilà c'est ça. Dracaufeu c'est LE Pokémon de Pokémon. Bah parce que tu veux abattre le maître Tarak. Voilà, et pour l'avoir forcément... Allez, on veut une petite lignée de petits starters. Là les starters c'est le seul moyen de l'avoir en shiny puisque les starters ne se rencontrent pas dans le jeu ni en Pokémon épée ni bouclier. Voilà, il faut savoir que même si vous reset votre console il est shiny lock au début donc voilà. Vous pouvez pas l'avoir autrement que faire des œufs. C'est ça. Et donc la seule possibilité c'est celle-ci, alors il manque le Charcroix mais... L'Armélion! Voilà. Alors, c'est la seule phase où il est vraiment bien. Moi, je l'aime bien. En fait, il est très bizarre. Il est. En fait, quand il se met. Il y avait une photo sur internet, il était en mode écarté. Et donc, les bras tendus, il est comme ça et ça fait des T. C'est trop laid. Donc, des L'Armélion, les gens. Donc, violet en shiny. Donc, si on l'a en shiny, bleu, c'est très violet, bien. Ouais. Mais ouais, bon, ça on vient cool. juste de commencer les L'Armélion. On va peut-être pas. Bah, si, hein, ça reste la même probabilité. Oui, ça reste justement, même coup, les probabilités ne changent pas. C'est du 1 sur 600. Que t'en aies fait 700 ou pas, ça sera 1 sur 600. Oui, c'est vrai. Donc tu 80. Peux en faire 8000 oui. Et tu peux ne jamais l'avoir. Exactement. Si t'as vraiment pas de chance, tu peux. Voilà. Mais espérons qu'on a un peu plus de chance que ça. Donc on commence avec du shiny, mais... Pas du shiny hunting, un petit peu. Non. Non. Mais on a des Larmélions à échanger. Yeah. Et du coup, donc Guillaume fera entre les deux vidéos, donc celle d'aujourd'hui et celle de demain, de l'échange miracle pour en avoir d'autres. Voilà, alors on va monter un Pokémon aujourd'hui peut-être, si on peut faire quelques combats random, c'est... comment il s'appelle? Fantrim. Fantrim, ouais. Mais je pense qu'il évolue assez au niveau parce qu'il était déjà niveau 25. Et donc Scalpion évolue en Scalproa niveau 52 ou 54, je sais plus exactement. Voilà, donc on était un peu allez loin. Bon, faut pas rêver non plus. Non, 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 non. Et puis tu te rappelles que t'as eu, dans tous les Pokémon qu'on ait pu faire, le seul que t'as eu et t'as farmé c'était Deden, en 9. Et je l'ai eu. Et tu l'as eu, mais t'as vraiment, vraiment farmé. J'en ai fait quoi? J'en ai fait 200 je crois. Ah non, je pense que t'en avais fait beaucoup plus que ça. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, je me trompe toujours, j'ai tellement l'habitude d'aller dans l'échange miracle que je vais dans l'échange miracle, mais c'est pas l'échange miracle qu'il faut faire. Et donc, on va reprendre notre équipe. Voilà, donc je vais juste poser... l'armée de moutons. Ouais, ce qui est... c'est vrai que c'est... faut s'habituer. Bah, armée de moutons, c'est très bien.
Voilà, là j'ai plein d'œufs, je crois que c'est des Wistempo là. Ce qu'il faut récupérer du coup, c'est les larmes et léons pour les échanger en échange de miracle. Bon, c'est ce qui est bien, c'est que moi j'ai vraiment envoyé beaucoup de Wistempo et tout. J'étais trop refait, je fais ouais, je vais envoyer des starters à tout le monde. Les gens, avant d'avoir un starter étranger, j'ai mis mes 10 ans. J'ai fait, mais attends, les gens ils abusent. Attends, t'avais beaucoup de mini-singes. Ils sont où mes Pokémon ? Des Mimikyu, parce qu'en fait les Japonais et les Japonais, ils farment les Mimikyu en shiny. Et qu'est-ce que t'as eu beaucoup aussi, Mimikyu et... Bah, ah, ils sont là. T'as plus d'équipe. Ouais, j'ai pris eux. Pour les faire évoluer. Arrosard et... Mais enlève-les. Pourquoi ? Bah, je sais pas, pour faire évoluer Fantrim, là. Donc Arrosard, il est là. Arrosard. Donc, là, celui d'en dessous. Fantrim, et il est... Et Spododo, tu peux le faire... Il est niveau combien, j'ai ton pris Spododo ? Drippy... Quoi ? Ton Spododo, il est niveau combien ? Tu penses que tu peux le faire évoluer, hein ? Il ouais, va évoluer bientôt. Ouais, ça en fera après. D'accord. On fait un Fantrim japonais ? Non, j'ai commencé sur celui-là parce qu'il est anglais, mais... Mais ce qui est cool, c'est qu'il est déjà niveau 26. Ouais. Donc on a déjà vu le japonais. T'as un Stelix aussi que t'as eu. Ouais, j'ai eu Stelix, ça, j'ai attrapé ça. Ouais. Et d'ailleurs, il est brûlé. Qu'est-ce qui me manque là ? Il te manque. Torgamore. D'ailleurs, j'ai attrapé un Apriren aussi niveau 60. Torgamore, en vrai, il est pas ouf. Moi, je trouve pas ouf. En ouais, mais il y a pas beaucoup de hauts, en fait, de nouveaux hauts. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, les gens ? On en a plein maintenant, on en a plein. On pourrait prendre Apiren, Salarsen, on pourrait prendre Salarsen. C'est vrai qu'il était loin. D'ailleurs, j'ai un petit... Il est où ? Toxizap ? Il est où, mon petit sac, là ? Il s'appelle Sac. Sac ? Ouais. Sac ! En bas à droite. J'ai eu lui aussi. Ah bah oui, j'ai eu ça, vous avez pas vu. Donc j'ai eu Sac. Donc un Toxizap, mais qui est phobique. Alors je sais pas s'il évolue pareil que mon Salarsen. Le mien a évolué, il a évolué comme le tien. Et lui, il est quoi ? Punk rock. Ah ! Donc ça se trouve, lui, il est phobique, il évolue pas pareil. Ouais. J'ai eu un Skelenox, donc ça c'est nul. Noibat, donc Solistrel. Par contre, j'ai eu Dunaja. Mais bon, il est pas très joli. Et j'ai eu ça ! Ah oui, Corillon et Corillon, son évolution. Corillon de Galar. Et son évolution, donc ça va être une nouvelle évolution de. Je pense. Ouais, c'est parce possible. Que c'est trop bizarre et je sais plus comment il s'appelle, mais pas mal. C'est fort probable. Donc on va se TP. Ah, il y a un œuf à récupérer juste avant. À voilà. Kickenham. Bah non, il n'y a plus besoin de Kickenham. Si. Il faut aller à la gare de Kickenham. Ah bon ? C'est le lobby. Tu sais que quand tu lances, il y a marqué l'objectif. Ah oui, d'accord, moi je. Prenez le train à la gare de Kickenham. Ah, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Donc Kickenham, juste là. On va aller. Tu soignes tes Pokémon aussi ? Ouais. Et puis on va aller essayer d'évoluer notre petit. Parce qu'il est très très cool, Fantrim en évolution. Ses évolutions sont vraiment stressées. Alors je sais pas les noms, mais. Je les ai vus en. J'ai fait un raid en ligne. Mais les gens, on va mettre une demi-heure avant de commencer la vidéo. Bah de toute façon, je pense qu'on fera pas les Pokémaster tout de suite. Non, parce qu'il faut qu'on farme avant, il faut qu'on ait des Pokémon. Les Pokémaster, on va aller la voir fin, par contre la ville des Pokémaster. Parce que je pense que c'est ça l'objectif. Bonjour. Eh, on a plein de Pokémon maintenant. Ouais. On en a 100, plus de 100 et quelques. Hein. Après, il y en a que t'as échangé. Ouais, mais bon. Avec tous les Wistempo qu'on a créés, qui ont tous des idées différentes. Ouais, non, mais c'est cool. On a envie de faire l'objectif d'avoir le Pokédex en entier. Oh, Moti, bravo ! On a de plus en plus. Au moins un chiffre. Magikarp. Un chiffre, ouais. Ah, la poussée de l'AI, il faut qu'on gagne le premier. Ça se trouve, tu gagnes un Motisma. Ah, mais c'est ça. Ouais. Parce que moi, j'ai des Motisma en échange aussi. T'as eu un Motisma ? Ouais, on m'a donné. Ah non, c'est pas non, ça du tout. Les missions du Poké Service. Tu as gagné un nouveau badge. Mais oui, t'avais plein de Pokémon dans le Poké Service. Ouais. Alors, mission accomplie, c'était gros bip photo. Donc... Ah oui, j'ai fait ça, c'est moi qui l'ai fait hors vidéo. Donc on lancera après. Hein. Oui, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Parce que là, ça commence à être assez long. Mais Ah oui, ça c'est vraiment terrifiant. Non, c'était Biscotto. C'était Biscotto. Excellent travail. Ouais, bah oui, combat. 26 000 d'XP! Excellent. Des bisballs. C'est quand tu veux rattraper un Pokémon. Par contre, il y en a un que tu auras jamais, c'est pas l'artichaut. Hein. Ouais, je pense que je l'aurais pas. Là, c'était à la mine patibulaire. Ouais. Ah non, mais j'ai dû chercher sur internet pour être sûr ce que ça voulait dire. Ah, il y en a deux qui correspondaient. Ouais, c'est pas évident. En même temps, c'était pas évident. Ouais. Après, 33 XP. Oh bah, c'était une 10 Pokémon. Et non, mais il faut regarder Scalpion combien il a du coup. 4000, très bien. Et du coup. Donc là, oh là 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 là, les gens, c'est un truc de dingue. Là, l'émission, elle devient énorme ici. L'émission, ouais, c'est ouf. Et là, c'était. C'est pour travailler la mine. Non, ça, c'était combat, c'était nul ce que j'ai envoyé. T'as envoyé j'avais rien. Bah oui, j'avais rien. C'était combat, je crois. Ah, il y en a quand même deux. Ah non, Roche. C'était Roche. Roche, donc travail de chef quand même, hein. 26 000, 21 000. Ouais, franchement, on est quand même bien. Eh, c'est quand même assez incroyable. J'ai envoyé Chenipan, Poichijon, Sorbébé pour. C'est incroyable. 30 Pokémon!
Oh la vache, tu peux farm à mort en fait. En fait, tu farmes de ouf. Type dragon. Oh, c'est incroyable. Ça, là, mais dès qu'on finit, j'ai fait ça. Ça va être 10, ouf. 30 Pokémon, t'imagines, ils vont tous gagner Mastix. Ouais. Ah non, mais arrête. Ils ont vrai que la garderie. La garderie ne gagne plus d'XP parce que en fait, vous gagnez vraiment tout c'est avec ça. Et ça, c'est incroyable. C'est ça. Bon, et donc, bah, direction la ville des Pokémasters, on va voir ce que c'est, parce que ça a l'air d'être une ville assez géante. Là, j'ai pas le choix, vous avez vu, c'est assez guidé. Attends-moi, tu sais quoi, j'ai battu Roy. Ah, d'accord, ok. J'ai trouvé la bonne tactique. On aurait pu être tranquille. Ouais. Mais non. Et pendant tout le combat, il a pas arrêté de parler, mais c'est pas le même caractère que son frère, c'est sûr. Mais j'avoue que tu ne manques pas de mordant, Nabil. La preuve, tu as réussi à m'arracher le badge dragon. T'es comme un ouragan, mec, et même moi, je peux pas te résister. Bon, les petites têtes, je compte sur vous pour assurer comme des pros au Pokémaster, voire même des pieds Tarak. Nabil, grand favori pour vous servir, accompagné de son fidèle rival Guillaume. Non, arrête de me mettre dans le même panique toi, mec. Ne t'en fais pas, on va tout faire pour gagner. Merci pour les leçons que tu nous as enseignées aujourd'hui, Roy. Le train est là, Guillaume, on fonce. Le train est là, mais il ne partira pas à l'heure. on est sur... ah non, on n'est pas en France, donc c'est peut-être différent. Ouais. Oh, mais oui. En tout cas, le 5 décembre, pas prendre le train. Punaise, quoi. Ah là, toujours connecté sur les portables. Ah, bravo, c'est quoi cette jeunesse? C'est la dernière ligne droite, bientôt WinScore. Il y a plein de trucs de ouf là-bas. Un gratte-ciel géant et un monorail. Mais surtout, il y a le stade le plus prestigieux de Galar. Il va falloir se donner à fond. Tout Galar nous gardera. Non, le monde entier aura les yeux braqués sur nous. C'est pas la même chose qu'il a dit au tout début. Si, ouais, je crois. Ouais. C'est pas la même cinématique, la première cinématique où c'était dans le train comme c'est ça. C'est possible. Il neige ? Ah, il peut parler. Donne-moi un truc, toi. Quel paysage s'offrira à nous une fois la neige de la route 10 fondue ? Ah, bah voilà. Donc la route 10, ça va être une route énorme et on peut pas y aller. Faut attendre que t'aies fini le jeu. Ah, oui, c'est possible. Ou alors, on dirait un mur de neige. Ça va être blindé de Pokémon glace, trop bien. Bah, est trop bien. Guillaume, tu crois qu'on peut encore progresser avant les Pokémaster? Moi, je dirais que ouais, je crois en mon équipe, ensemble. Sur ce jeu fil, on se retrouve à WinScore. WinScore. Alors. Deux capsules d'attaque plus. Moi, je mettrais Montracite en premier. Est-ce que c'est Pokémon Glass? C'est bon. Montracite, alors. L'Enclus, on l'a eu en échange, je crois. T'es sûr? Ouais, mais pas pour la rhume. Non, pour la griffe. Oui, on a eu pour la griffe. T'as eu son évolution. Allez, un petit Polarume qui coule du nez. Lui est mignon. Bah, les nounours sont mignons, ils ont fait plein de nounours. Hein. Il y a Rilakkuma. Rilakkuma. Tedurzia, Polarume, nounourson. Ils sont tous mignons. Ouais, quoi. C'est vrai. Par contre, t'as pas de. Quoi? T'as pas de Pokémon Center? Tu prends la gare, peut-être plus loin. On n'est pas encore arrivé à la ville. Ah non! Bon, je voulais juste. Bah, il était quand même 47, hein. Bah ouais. Bon, on sait qu'il est là, je pense que. Hein. Oui, on ira le chercher plus tard. Au pire, c'est pas grave. Ah, au moins, Fantrim, il monte de niveau. Bon, là, je parle. Oui, mais tu vas regarder ce qu'il y a d'autre ou pas? Ou là, non. lui. Ah, Onigali. Non, lui. Ah! Bah, il est tout petit. Bah ouais. Mais il est ridicule. C'est peut-être à la taille, hein, mais. Bah, il fait la taille du Montracite. Tu l'as pas, hein. Bah, au pire, fais déjà les combats parce que je pense qu'il y en aura beaucoup à faire et des obligatoires. Ouais, c'est le docteur, rien blessé, laisse-moi te dire. Ok. Ah, ils vont peut-être pas forcément être grêles, hein. Donc, ouais, on va progresser sur la route 10 de toute façon. Ouais. Et voir jusqu'où on peut aller. Si on peut arriver jusqu'à WinScore. Bah, au moins, peut-être serait bien d'arriver à WinScore aujourd'hui s'il y en a pour 10-15 minutes. Et puis, comme ça, on s'arrêtera devant la ville. Et on pourra au moins se TP dedans. Bah, de toute façon, il y aura encore les légendaires à avoir. Ah, oui, c'est vrai. Oui, non, mais il y a plein de trucs. On n'a pas fini, et puis de toute façon, genre, c'est un jeu un peu infinissable, donc il y aura des vidéos qui continueront. De toute façon, il n'y a pas de jeu qui arrive, et des vidéos qui continueront avec d'autres thèmes, quoi. On fera sûrement du Versus. Le 18 décembre, il y a un petit jeu trop mignon qui arrive. Ouais, sur PC. On vous en reparlera sur PC, qui a l'air vraiment pas mal. Ouais, il y a plein de trucs. Je pense qu'on vous fera un petit let's play. C'est vrai. Et puis, il m'a fait le flat et tout. Il y a plein de trucs. Ouais. Il y a trop de jeux, en fait. Il y a trop de jeux. Trop jeu finalement, faire 2 vidéos par jour, c'est pas bien. Assez, tu vois. C'est bien, non, c'est. Mais 2 c'est très bien. 2 c'est très bien. Ce sera jamais plus. Ah! Ah, c'est un dresseur lui! Non, c'est pas un dresseur. Normalement, il te donne des choses. C'est le montagnard. Il est un peu moins gros que dans les vieux Pokémon. Oui. Un peu plus logique. Nazaire? J'ai même entendu ce prénom. Nazaire? Sans Nazaire?
Ah bah oui, Saint-Nazaire. Bah oui, Saint-Nazaire, oui, je suis bête. On oublie qu'après Saint, c'est un prénom en fait. Ouais, Saint-Nazaire. Oh bah c'est pas très efficace. Si, c'est super Vegas. Ah ouais, bah c'est... Ah, c'est lui, il est tanky de ouf. Hein. Ah ouais, je vois ça. Oh non. Oh, j'en ai eu un comme ça. Oh, un plouf plouf là. Oh, le moche. Oh, le moche, tu l'as pas eu. Hein? Ouais, mais... Depuis tout à l'heure, il y a un paquet de memes, hein, qui gît devant nous, donc j'aurais envie d'en manger un, je suis désolé les gens. Mais ça me donne envie. Non, moi j'y mangerai après la vidéo parce que c'est un risque d'être étouffé. Nigosier, tu l'as toujours pas eu? Oui. Ah bon? Je change le miracle. Et tu l'as eu? Ouais, je l'ai renvoyé. Et donc moi j'ai battu Nigosier, tu sais, avec Nabil là, parce qu'il l'avait. Et en fait, ce qu'il avait, c'est qu'il a plongé et il est remonté à la surface avec un Pikachu dans la bouche. Ah bon? Il m'a balancé le Pikachu! Entre double pied. Mmh. J'ai fait une attaque double pied, mmh. Et après il m'a lancé Pikachu, et après j'ai fait ma deuxième attaque. C'est une blague? Non. Mais pourquoi? C'est une animation? Je sais pas, à la limite il y aurait eu un poisson, un frou sardine, un machin, mais un Pikachu. Ah, j'aurais dû le garder, mince. Mais il a pas d'évolution, je crois. Je pense que si. Hein. J'aurais peut-être dû le garder. Ouais, t'aurais peut-être dû le garder. Surtout que je sais pas où tu le trouves. Hein. Bah si, je pense que Nigosier il doit être dans l'eau. Oui, je pense aussi. Ça, bah va, ça colle les mêmes. C'est MMs. Bon les mêmes. Les mêmes. On continue. Bah ouais. Non mais. Donc, t'as cassé ton montre acide quoi. Bah ouais, le pauvre. Fais un truc. Ouais. Bah si c'est assez puissant en fait, tu fais un truc puissant. Ça le tue. C'est bon. Ouh, il en a combien? Est-ce que je prends un retour même si je le tue? Oh, ah, le oui. Contre-coup, il a abusé. Bah quand même. Il y en a qu'un. Hein. Donc niveau 52 go rythmique. 28 drippy. Ouais. Après, t'as pas mal de. Avec les échanges, t'as pas mal de. Ah, Bank Sonic! C'est quoi comme attaque ça? Oh, normal. Oh, 140! C'est pas mal. Tu peux peut-être enlever Direct Toxique? Non, Direct Toxique c'est méga puissant. Tout est Oudu. Puissant en fait. Bah non, tout est puissant. Ah, Acide. Acide. Dommage, c'est une attaque qui a beaucoup de PP, mais bon. Tant pis. De toute façon, on va partir sur de la Masuda maintenant, donc voilà. Sur des Masuda. Dionysi Masuda. Chunichi Masuda. Du coup, c'est lui qui l'a inventé? Ouais, c'est sa technique en fait. C'est, ouais. Il a dû dire, ouais, il a dû dire, j'ajoute ça, et en fait, c'est lui qui l'a révélé. Ah oui. Donc c'est sa technique. C'est sa technique. Ou à trouve c'est lui qui a demandé ça. Si vous faites des échanges avec des Pokémon du monde entier en miracle, ben après ah oui. Vous avez plus de chances de faire des shiny quoi. En tout cas c'est pas mal que ce soit assez facilité de... les œufs. Ouais. En fait, ouais c'est bien. Moi tu t'es pas obligé de parcourir 600 000 km en vélo pour avoir. Bah tout est facile dans le jeu quoi. Ouais. En même les... Oh là c'est bizarre qu'on fait ça. Surtout les raids et tout, c'est bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dimoré, Farfuré. Oh! Quoi? Il y a un Mister Mime de Galard! Mais il est trop bien! Hey! Mais il est génial! Il y a un Mister Mime de Galard! Allez! Allez! Voilà! Voilà, suffit de critiquer pour avoir les résultats. Ouais. Mais dis donc. Mais oui, non, mais c'est pour ça que. Ah ouais, c'est l'erreur du début. Ouais. Il faut peut-être soigner les Pokémon là. Et du coup, tu les soignes où? Ah, il est trop bien. Mister Mime de Galar. Il doit être trop bien en shiny. Ah ouais, il doit être rose, ça se trouve. Ah, le problème c'est qu'il est français, donc. Donc c'est pas bien. Donc c'est pas bien. Il faut qu'on l'ait en japonais. Il soit pas français. Regardez. Oui, oh pas... là, le bizarre roi. Il va pas être trop fort? Non. Oui, il était au bout. De toute façon, tu pouvais pas y aller. Il grêle. 55. Il est pas mal. Fort. On va tenter parce que sinon, sortir lance est mort. De toute façon, je pense que même si je tape avant, elle se prend un coup. Donc. Ouais. Bah, tu vas fuir. De toute façon, j'ai. Bizarre roi. Tu peux pas soigner à la gare? Mais, hé! Hey. Ah mince, les glaces. C'est une feuille glace. Allez, Blizzard-Roi. Blizzard-Roi, les gens. Blizzard-Roi. Allez. Oui, allez. J'ai perdu dans mon équipe. Oui, voilà, il suffit d'insister un peu des fois. Hein. Pas besoin de se prendre la tête. Bon, ça, ouais. C'est vrai que j'envoie la boule direct, mais regardez au final. Ça marche. Ouh, oh, bien. Cool. Fantrim. Fantrim niveau. 3000 XP. Ouais, très cool.
Aqua Bra- ah, enfin une attaque haut. Enfin une attaque haut, peut-être puissante. 85, c'est mieux que pistolet haut. Hein. Bien. Torgamore. Torgamore, cool. Ouais. Ouais, parce qu'il est un peu loin, lui. Hein. Mm. Oh, on a eu des bonbons XL aussi. Ouais, en faisant des méga raids de la mort. Blizzard Roi, c'est cool. Donc ça, c'est cool parce que c'est un gros Pokémon. Et c'est quoi le petit Farfur? Ok, donc Dimoré. Blizzy. Morceau de comète. Morceau de comète. Vendu à bon prix dans les magasins. Ah, bon, t'es obligé là. Je suis obligé d'en faire. Le facteur. J'aurais dû laisser un avis de passage. Ah oui, je croyais que tu essayais de le lire et je dis, mais tu dis n'importe quoi. Mais oui, mais non, c'était le dernier qui m'a dit ça. Ouais. Johan. Béquipan. Bah oui, forcément, il livre les colis. Ouais. Gros rythmique. Très bien. Ah, très bien. Ah, parce qu'il est quand même vol, donc ça fait mal contre l'herbe. Mais... Ouais, mais niveau combien? Ah, c'est fou, hein. Parce que là, on vient d'avoir un Blizzaroi niveau 55. Ouais. Et après, t'attaques les trucs, ils sont moins forts. C'est ça. Ça a toujours été l'inverse, normalement. Ouais. Mais bon. Tant mieux, hein. Oui, tant mieux, tant mieux. On se prend pas la tête pour les dresseurs que t'es obligé de faire, alors que les trucs sauvages, t'es pas obligé de les faire. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est logique, hein. Ils ont quand même... vachement fait pour les gens, dans le sens où tu sens que c'est facilité à mort, ouais. Et qu'ils ont les trucs chiants, ils les ont enlevés, quoi. C'est ça. Bah, c'est bien. Oui, bah oui, c'est bien. Ouais. Ça niveau l'air, 48 par contre, ah oui, si, c'est niveau 45. Parce qu'en fait, c'est un Norfrank, donc moi je suis électrique. C'est pour ça que j'ai sorti. Je suis électrique. Overdrive. Voilà. Bien joué. Bien joué, bien joué. C'est le facteur, donc il y a des oiseaux. Comme oui, dans oui. Link's Wind Waker, enfin Zelda Wind Waker avec l'île du dragon. Ouais. La défaite m'a fait réfléchir et en fait je ne veux pas m'arrêter. Ah, Mr. Mime. Mais Mr. Mime, mais on l'a. Du coup, est-ce qu'il y a même Junior? Oh, t'as vu, c'est trop bien, regarde. Attends, attends. Quand il est vers nous, regarde. Tac, 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 tac. Ah oui, tac, tac, tac. Hey. Ah, c'est mignon, c'est trop mignon, j'adore. Oh, oh pour la rhume. Non, pour la griffe, oui. Ah, mais bah, celui-là, on l'a. Je regarde ce qu'il y a là. Un PP+. Plus, ah, c'est bien, augmente les capacités, c'est très très bien, ça coûte cher. Oui, mais c'est juste pour... peut-être c'est juste pour qu'il me soigne, j'ai un mec qui me soigne, mais c'est pas grave. Soigne-moi. Ah, t'es obligé. Ah, là, c'est la route. Ouais, ouais, c'est la route. Il en fallait bien une, quand même, on en a pas eu beaucoup. On en a pas eu, donc il en faut bien. Voilà. Donc, de toute façon, on va faire tous les combats. Michel le Montagnard. On va faire tous les combats et on s'arrêtera à Gigalite. Wixor. Winscore. Gigalite, t'es fort contre lui ou pas? Tu l'as celui-là? J'ai... Mais on verra bien. Je sais plus. Non. Bah non, mais ça ne marque pas en... Bah si, il y a le petit truc Pokéball comme quoi tu l'as. Pas en combat dresseur, si. En si? Combat dresseur, si. Ah, peut-être pas en... Ah oui. Non, on peut... Guillaume, il a mangé trop de la j'ai des bouts de cacahuètes dans le fond de la gorge. Tu dis, fallait surtout pas en manger pendant la vidéo. Oui, ben. Dripping. Ah, 3000, bien. Très très bien. Et il manque niveau combien? J'en ai aucune idée, et ça se trouve, faut faire quelque chose, mais c'est pas grave. Par contre, t'as plus de. Rien féroce, eh bien non. Quoi? Tu comptes virer Gorani? Ouais. Mais il va décéder. Mais non, il va l'exploser, type sol, super efficace. Mais bam, explose-le! Watcha! Tu vas avoir le contre-coup. Tu dérapelles. Des potions. J'ai pas beaucoup de potions par contre, j'en ai pas acheté assez, mais bon. Non. Et du coup, il y a une talisman. Bah ouais, bien joué. Bravo, félicitations. Oh là 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 là. Par contre, Drippy là, Fantrim, il gagne. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, c'est. Il a vraiment une tête bizarre comme ça, c'est assez bizarre. Je pense bien avancé. Je pense qu'on va être obligé de toutes les faire. Voilà, ouais. Après, non, oh là là, là, ça là, continue là. Encore et encore, c'est que le début. D'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber. L'arme de ton Pokémon. C'est toujours les mêmes. Ah, Darumacho! Oh mon dieu, il est laid! Ah, j'aime bien Darumacho, mais Darumacho. Ah, il est pas beau. Ah, ouais, on dirait qu'il a un. Je pense que c'est si c'est pour faire. C'est les deux boules de neige qui. Pour Noël, où les Japonais mettent deux oranges comme ça. Ah, oui, oui, oui. Ou deux boules de Noël. Et du coup, les Pikachu, ils sont toujours comme ça, en peluche, en forme Noël. Et en fait, ils ont deux. Et en fait, ils ont fait ça, je pense. Ah oui, mais c'était pas obligé de faire une aussi grosse boule sur la tête, hein. Du coup, on dirait un gorille. Ah, c'est joli, ça. Ouais.
On dirait un singe, gorille. Ouais, c'est un gorille qui a un problème à la tête, quoi. Ouais, oui, c'est ça, qu'il faut qu'il aille se soigner chez les médecins. Voilà. C'est un peu bizarre, voilà. Ouais. Je suis pas totalement fan, mais bon. Je préfère le Darumaron. Ah, d'ailleurs, je l'ai eu, hein. Ouais, Darumaron est très mignon, très par mignon, contre. Très mignon, le petit, ouais. Et à l'infini et au-delà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a demandé où on le trouve, le Darumaron. Je n'en ai aucune idée. Ah, j'ai eu aussi le petit qui était étalé par terre, là. Oui, à Ludester. Je crois. Oui, c'est ça. Hexadron. Ah bah tiens, combat. Hexadron. Donc celui qui évolue pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah, il va rester avec sa cacahuète coincée là. Ouais, c'est fini, ça y est. Faut qu'il aille boire. Voilà. Heureusement que c'est bientôt la fin de la vidéo. Oh là là là, ça fait mal. Ah, est-ce qu'il est combat ? Lui il est mignon, lui il est mignon. Il est mignon, mais c'est dommage qu'il n'ait pas d'évolution en oui. Style humanoïde après, tu vois, ou ouais. Un style il grossit. Bah après, il est sympa, moi j'aime bien. Plein de petits moi Kirby, aussi, voilà, ouais. Ça c'est fait. Hexadron. Et il en a un troisième. Il y a quoi ? Il y a un troisième ? Oui, il y en a trois, ouais. Il est relou. Krakos. Ah ! C'est celui qu'on n'a pas réussi à capturer la dernière vidéo. Ah oui, il paraît qu'il est méga dur à capturer. Ah bon ? Quelqu'un qui a dit il est méga fort. Je l'ai revu, ouais. Il y a quelqu'un qui a dit il est méga fort. Krakos. Il est pas trop mal. Moi, visuellement, ouais, il est pas mal. Ouais. Ah, je pensais que c'est un eau, moi. Mais c'est pas un eau. Non, c'est un. Ah, on aurait pu faire Bang Sonic. Moi, je dirais c'est un ténèbre. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Et donc, Fantrim 34, donc c'est pas mal parce que tu as commencé avec les 20. Je pense 26. Qu'il va être dans les 50, je pense. Ouais, c'est possible. S'il va parce qu'il a trois formes. Peut-être là ? Non, toujours pas. Ah ouais, il y avait le caméraman et. Le journaliste. C'est que t'es encore nouveau. Les relous. Les Pokémon de retard exceptionnels resplendissent, c'est un objectif de ma caméra. Ah, je crois qu'elle est toute seule, l'autre, il joue pas. Si. Ah si. Non, mais deux. Jonathan et Méline. Jonathan. Ah, ils en ont deux. Hein, Igolta et Clitiklik. Clitiklik. Alors, sans silence, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir taper les deux. Mm-hmm. Montracite, pouvoir antique, ça devrait être pas mal, je pense, sur Clitiklik. Et. Les mines en vente. Non, parce que si c'est un métal roche, je crois que c'est pas mal. Ah bah non, mais j'aurais dû faire. C'est pas efficace. Je suis roche, c'est pas efficace. Si, c'est efficace. C'est sûr je suis pas que roche, je suis feu. T'es feu, ouais. Lance-écrou. Est-ce que ça va être assez efficace? Bah, la puissance de base est pas mal, donc c'est pour ça que je fais, même si c'est pas la plus puissante des attaques. Et donc c'est qui t'envoie après? C'est Gorythmica. Bah ouais. Ou Salarsen est pas mal. Salarsen. Et je vais essayer sur la nouvelle attaque qu'on vient de débloquer, mais je sais pas si ça tape tout le monde, je crois que ça tape vraiment tout le monde. Bang Sonic. Ah oui, ça tape tout le monde. Efficace. Ouais, vaut mieux pas. C'est mieux ça. Overdrive. C'est marrant comme nom d'attaque. Ah bien. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien tes Pokémon. Ils sont mieux que les miens. Hein. Ouais. Yes. Ils en ont combien de juste un chacun deux, ou deux chacun. Deux chacun. Bien. Ouais. Bien. Pas bien. Hein. Du coup, on aura peut-être des bonbons. Des bonbons XL à des Pokémon qui auraient besoin. Ouais. Ma chance que je les garde quand on aura un Shiny et je montrerai le Shiny à fond. Pour évoluer, ouais. Après, ça dépend, hein, parce que si c'est un Shiny joli, première génération, enfin, première. Je lui mets une Kyrstase, comme ça il évolue pas. Oui. Je suis en monte niveau 100 quand même. Momouton niveau 100. Ah oui, d'ailleurs, t'as pas fait son évolution. Non, je pense pas. Donc, Bruivern et Togedemaru. Alors, Togedemaru, je trouve ça bien, mais c'est efficace sur le Bruivern, c'est pas grave. Je trouve ça bien. C'est pas efficace sur qui? Ah, mais il est Togedemaru, ouais. Bon, on va faire pareil. Ils auraient peut-être pu rajouter une forme pour lui donner un peu plus d'importance parce que je trouve qu'il est vraiment trop petit et tu montes pas un Togedemaru au niveau 100, quoi. Enfin, je sais pas, il est peut-être assez. Je suis pas sûr que ce soit méga. En fait, je pense qu'il fait Pokémon bébé et du coup, t'as vraiment que. Pour moi, il est sorti trop rapidement après Deden. Ouais. Dans la même forme que Pikachu. Ouais, c'est vrai que Deden n'a pas d'évolution non plus. Hein. Et Deden, oui, mais Deden n'a pas d'évolution, mais c'était le premier après Posipi et Negapi qui sont les cousins de Pikachu. Mais Deden avait vraiment un truc, tu vois, un truc en plus. Que Togedemaru, c'est un peu un mélange de plein de trucs et je sais pas. Ouais, Morpeko alors. Ouais, c'est pareil, Morpeko pour moi c'est pareil. Je trouve qu'il est en. Bah alors, Morpeko non, pour le coup,
il a une deux faces, tu vois. Donc tu te dis, bon, il est un peu. Et là, Togemaru, il est vraiment trop presque, en fait. Il est mignon, mais nous, c'est vrai que. On s'est arrêté d'Eden dans genre ah, d'Eden, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et après, tu fais les autres, tu vois. C'était trop, en fait. Psycho. Ouais, le Togemaru est trop. Pourtant, on aime bien les Pokémon comme ça, généralement, mais. Mais on l'avait trouvé mignon quand il s'est sorti, mais vous voyez, on n'a même pas fait la collection, on n'a pas acheté plus de lui, alors que d'Eden. D'Eden, bah si on n'a pas les cartes, mais ouais, on y en a beaucoup d'Eden. En termes de peluches, les d'Eden, on a tous ceux qui sont sortis. On avait quasiment tous, alors je sais pas s'ils ont ressorti depuis, je pense, on en a dû en louper. Mais... Oui, oui, mais en même temps. Ah, niveau 36, il doit évoluer. Hein. Niveau 36, deuxième phase au moins, à moins que ce soit des choses spécifiques, il faudra vérifier parce que ça se trouve. Ouais, bah dites-nous comment on fait Fantrim pour l'évoluer, mais je pense que là. Non. C'est quand même assez incroyable. Donc je pense que c'était la fin et on va arriver à Winscore ou pas? Ah, bon, au moins parfait les gens, on arrive pour cette fin de vidéo. Parfait. À Winscore, on va juste voir s'il n'y a pas une cinématique parce qu'il y aura sûrement un truc pour notre arrivée. Ouais. Et puis comme ça après on pourra sauvegarder et pouvoir se déplacer nous d'un autre côté. Moi je pourrais aller faire des Pokémon. Voilà, revenir au tout début. Donc là c'est très grand. C'est très très grand en fait, ça a l'air gigantesque. Ça a l'air gigantesque, alors j'espère que c'est la hauteur de la tente. Hein. Ah c'est fat quand même. Ouais, c'est... Ah, ah c'est Londres, c'est... Bah, c'est oui, Londres, c'est Londres. On avait dit que c'était Londres. Ah, bah, ah trop bien. Piccadilly Circus. Ouais. Ouais c'est pas mal. Big Ben, Big Ben en version coup, chiante. Ouais. Et ouais, sûrement un truc spécifique. Et Hyde Park avec le ouais. Ça. Le London Eyes, je sais plus quoi, la tour quoi. La... Et le stade. Et le stade. Ça est joli. Il est très joli. Franchement c'est une belle ville. Ouais franchement avec le petit tram là-haut là. Ouais c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Ça y est, on a Winscore. Bah, ça ressemble beaucoup à Pokémon XY avec le Paris, le milieu, mais sauf qu'il était vraiment au milieu Paris. Là, c'est à la fin, quoi. C'est ici que je vais rentrer pour de bon dans l'histoire de devenant maître. Perso, je fonce direct au stade. Ok, tu devrais faire pareil, on allait pour ça. Ah oui, d'accord, on est là pour ça quand même. Mais non, mais, oui, mais si t'as envie de tempérer un petit peu ton jeu, enfin de modérer, de pas aller trop vite... Mais du coup, le post-game, enfin l'histoire avec les... Les Pokémon épais et tout, normalement c'était avant tout ça en fait. C'est bizarre, hein, ouais. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre que du coup il n'y avait pas les légendaires, quoi. Ouais, les légendaires, parce que normalement tu les capturais, même je suis sûre que tu les capturais avant l'arène 8. Ah oui, oui, tu les capturais. Dès que tu arrivais dans les niveaux 50, tu les capturais et tu disais, ok. Ouais. Donc on fera ça dans la prochaine vidéo, on ira direction le stade, on vous montrera un peu nos évolutions au niveau de ce qu'on a fait hors vidéo. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!